Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Tunisie Politique où on continue de recevoir les têtes de liste pour les élections législatives tunisiennes. Aujourd'hui, nous sommes avec le mouvement Wafa. Nous recevons M. Abdeljaoued El-Bouslimi qui est tête de liste de, du mouvement Wafa pour France Sud. -Sud. Euh, Abdeljaoued El-Bouslimi, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un universitaire, professeur euh, de euh, psychosociologie. Euh, ancien athlète tunisien, c'est rare. Euh, ça, ça veut dire l'esprit de compétition, ça vous connaît. Euh, dans une discipline que j'ai jamais compris, je vous l'avoue, le lancer de javelot. Euh, J'espère que cette fois-ci, votre flèche sera bien lancée pour euh, atteindre votre objectif, à savoir être élu en tant que représentant de la nation pour les Tunisiens en France. Euh, vous êtes président d'une association, le CEMED, le Centre Euro-Méditerranéen de développement. Vous êtes actif et les, euh, les militant dans les droits. Et euh, le, 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 le respect et la démocratie, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement un engagement de circonstance pour pouvoir vous présenter, pour vous connaître. C'est pour cette raison que je me permets de faire cette introduction. Vous avez écrit plusieurs ouvrages académiques et sociopolitiques. Dans un euh, que vous avez euh, eu la gentillesse de me passer, qui s'appelle Jeunesse tunisienne, la révolution permanente, mm -hmm. et en langue arabe, à Shabab Tounoussi, à que je montre euh, mm -hmm. à la caméra. Euh, et aujourd'hui, vous vous présentez pour briguer euh, un mandat de député de la nation pour cette deuxième république tunisienne, après la constitution euh, qui a euh, mis longtemps euh, à, à, à se faire accoucher et à naître. Mm -hmm. Euh, mais qui est arrivé et qui a eu en plus, euh, disons, euh, euh, l'assentiment positif de la plupart de la, des membres de la communauté internationale. Mm -hmm. Monsieur Admé El-Bouslimi, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci monsieur Matlouti pour cette invitation. Euh, je vous remercie beaucoup hein, pour euh, votre invitation d'abord. Et euh, je dois saluer tous les compatriotes tunisiens du Sud, que ce soit en Marseille... Euh, – Particulièrement, parce Très que bien. je les connais, j'étais moi-même étudiant à, à Lyon, hein. j'ai eu mon DEA à Lyon, hein. l'université de Lyon 2, c'est pour cela que je connais bien bon, le Sud, euh, à Toulouse aussi, Bordeaux, je les salue euh, pleinement, et je leur dis euh, bon courage, tenez bien, ne fléchissez pas. Euh, revenons au mouvement enfin et à sa ligne politique. Euh, – Avant de revenir, si vous me le permettez, je voudrais savoir oui. qu'est-ce qui euh, pousse un universitaire, un académicien, mm -hmm. à s'impliquer directement dans la vie politique. Généralement, les académiciens, leur implication est plutôt théorique par des livres, par des programmes, mm -hmm. par des implications indirectes. Aujourd'hui, on constate que d'abord, il y a pléthore de candidats, Bien sûr. Euh, et on en parlera dans cette émission, mais il y a aussi une nouvelle catégorie de candidats, c'est la société civile dont vous atteignez des membres. Mmh. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir briguer ce mandat Bon, je ne vais pas vous dire des clichés comme j'aime la Tunisie, ça, je, je n'en parle pas. Euh, Certains bon, l'ont dit dans cette. Une... Euh, oui. C'est, à mon avis, bon. C'est un minimum, j'espère, quand on bien se sûr, présente, euh, qu'on aime son ouais, pays. Ouais, bien sûr. Mais euh, personnellement, j'ai une longue histoire avec mon pays. Je suis revenu après un doctorat à 39 ans. Je voulais euh, enseigner, mais j'ai vu qu'il y a une, un chapeau de plomb même dans les. Les amphies, quoi. Hein. On peut en parler. J'étais à Kérouan pendant deux ans et en 92 j'ai quitté le pays en silence pour ne pas justement nuire à la famille et aux amis, quoi. Hein. Heureusement qu'il avait la France. Je dis heureusement avec l'amertume, hein, du, du penseur qui veut que son pays soit un pays développé et pas. Euh, en sous-développement. Hein. Alors, ce qui a poussé euh, l'intellectuel, c'est la situation actuelle du pays que je vois prendre un virage dangereux. Un virage dangereux. Dans quel sens Dans le sens, euh, si vous voulez, euh, euh, politique avant tout. Les, les, les Tunisiens semblent avoir, pas tous, hein, heureusement, euh, la mémoire courte. On dirait que 23 ans, ça n'a pas été évalué à sa juste valeur. Et qu'il y a des gens, même dans la rue, que ce soit parisien ou ailleurs, qui vous disent, bon, bah, ils regrettent un certain passé, qui est un passé sombre de la Tunisie, dont beaucoup, y compris les intellectuels, ont, ont souffert. Justement, quelles sont Donc, les raisons <coughs> Parce que nous venons d'avoir trois ans et demi oui. euh, de pouvoir euh, issu d'élections libres. Oui. Euh, mais la déception est énorme, elle est plus que palpable, elle est concrète. Euh, voilà, la – Voilà, la déception, elle est énorme, de de des trois gouvernements qui sont passés. Il ne faut pas se fixer seulement sur le gouvernement de… – la Troïka. – De la Troïka, de la Troïka. Et moi, oui. j'ai apporté... Il y a le gouvernement de Béjikhaïd Sebsi aussi. – J'ai apporté, euh, si la caméra peut le voir, oui, oui. Et, et, tout le monde parle d'un livre noir de, 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 de Malzouk, et dont bon, moi, moi non plus, je n'étais pas d'accord. Mais tout le monde oublie le livre blanc, le livre blanc de M. Oui. Moi, je conseille <laughs> d'emblée pour les gens qui votent, en France et à l'étranger, de me trouver une seule phrase dans ce livre blanc où il parle de l'immigré tunisien. J'aime pas ce mot d'immigré, hein. je, je parlerai plutôt d'expatrié. Oui. Parce que l'immigration, c'est péjoratif, etc. Euh, la preuve, les Français sont tous des coopérants, même s'ils n'ont pas le niveau bac. Ils sont tout tous expats, en, en tout cas. Experts. Alors que nous, bon, même si vous êtes euh, professeur d'université, vous êtes un immigré avant tout. Donc moi, je, je, je conseille, je reviens au problème essentiel, je l'ai lu, relu depuis 2011 quand il est sorti, il n'y a pas un mot sur l'LGLIA, sur la, communauté, la tunisienne. communauté tunisienne. On parle d'investisseurs étrangers encore, vous voyez les, les, les réflexes pavloviens. En, sait, en sachant très bien que les étrangers, quand ils investissent. Je peux même rajouter à l'adresse des beau. Tunisiens qui nous oui. écoutent, puisque j'étais concerné directement, oui. euh, nous avions immédiatement après la révolution, avec plusieurs Tunisiens, fondé une association qui s'appelle Adebna, Association de défense des binationaux. Oui. Et euh, M. Khaïtsep, c'est Premier ministre à l'époque, oui. s'est catégoriquement refusé à, à écouter et même entendre parler de binationaux, et il voulait même faire passer une loi qui interdise aux binationaux de voter. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est à signaler à la communauté tunisienne. Oui, justement, justement, je vous le fais pas dire parce que moi, je suis étonné que des gens, des compatriotes, puissent euh, euh, comment travailler pour revenir à une époque qui est un peu sombre. Bref, euh, c'est la première chose. Puisque moi, je salue justement le nouveau, euh, la nouvelle constitution. C'est pour cela que je me suis dit finalement. Il ne faut pas laisser passer Donc cette... vous estimez, pour résumer, parce que l'émission est Donc, un peu courte, <laughs> euh, de, je suis obligé un peu de vous recadrer pour être plus bref, mmh. euh, vous estimez que maintenant, il ne suffit pas, plus de parler ou d'écrire, il faut s'impliquer directement pour pouvoir aider la Tunisie à sortir de, 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 de là où elle est aujourd'hui. Effectivement, voilà, c'est la, la sortir, mais d'une manière, si vous voulez, bien planifiée, scientifique et avec des vrais spécialistes. Des véritables programmes. Avec un véritable programme et des vraies compétences. Alors maintenant, on va venir à, à votre mouvement. Mmh. Quel est son poids, quel est son impact Votre mouvement, euh, je le rappelle aux téléspectateurs et mmh. téléspectatrices, est issu euh, d'une scission euh, oui. du CPR. Mmh. Euh, vous étiez euh, une bande d'amis avec des croyances et avec une idéologie extraordinaire, avec un passé de lutte mmh. et de militantisme mmh. que mmh. personne ne peut ignorer, mmh. avec Marzouki et avec Hamrouni, avec plein d'autres. Mmh. Et euh, il y a eu cette scission. On ne va pas revenir, puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui de l'émission, mmh. mais quel est le poids du mouvement OFA et quelle est réellement mmh. euh, la possibilité pour ce mouvement de pouvoir, puisqu'il euh, reste un des rares remparts de la Révolution d'après mmh. le discours de son président, mmh. euh, l'esprit révolutionnaire vous habite encore. Mmh. Que, que pouvez-vous faire quand on est un petit mouvement euh, – Bon, je, je refuse catégoriquement le mot petit, parce que petit, aujourd'hui on ne peut pas évaluer en Tunisie, hein. euh, dire que Wafa est un petit mouvement… – J'entends euh, aujourd'hui par oui. la représentation actuelle. – Oui, 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 non, mais être petit, oh. ça, ça veut dire quoi, point d'interrogation ?– Petit quoi, par rapport au nombre euh, d'adhérents ou oui. de sympathisants, ça on va l'évaluer par les élections. – Voilà, justement, il est encore tôt à mon avis de dire que ce parti il est grand, ce n'est pas parce que tout ce qui brille n'est pas or, tous ceux justement qui mettent de l'argent derrière, on ne sait pas d'où vient cet argent, hein. attention, bon, les Tunisiens, ils ne sont pas bêtes à ce point, même ceux qui n'ont non, pas de, de niveau, ils savent très bien que la reddition des comptes n'a pas été faite. Ils sont encore euh, comment, révoltés de voir des têtes justement. Qui, qui reviennent et... sans aucune... Ce sont aucun mais quand vous dites... Oui. Euh, quand j'ai dit plutôt que votre mouvement, dans oui. son discours en <coughs> tout cas, et son oui. président dans toutes les manifestations, oui. est habité par l'esprit révolutionnaire, oui. c'est même un des rares qui continue à parler euh, des, des, des objectifs de la révolution et à les défendre, mmh. euh, pourquoi euh, il n'y a pas eu de reddition de compte pourquoi il y a eu cette résistance tant par Narda que par d'autres voilà. Pour qu'il n'y ait pas de reddition de compte. Pourquoi Le Tunisien voudrait comprendre. C'est un des, maje, voilà. des enjeux majeurs de cette élection aujourd'hui. Vous avez très bien posé la question. Et ben, personnellement, en tant que psychosociologue, je dis que, quelle que soit la société, Jésus, bon, je ne vais pas, je suis musulman. Hein, je, je vais, il n'y a je, pas de problème, c'est c'est un autre prophète j, aussi. J, j, Jésus a dit, hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la pierre angulaire de toute justice dans ce monde si bas. Or, l'islam, hein, le Coran, est pour une justice claire et nette. Cette justice-là, si on ne pas à la Tunisie ce qui appartient à la Tunisie, le problème de la justice reste entier aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a une corruption, bien sûr, il y en a partout dans tous les pays, mais en Tunisie, on a dépassé la ligne rouge. Une corruption. Claire, dans l'ancien régime ou le nouveau pouvoir Donc je vous parle de... de, de, de du régime de ben l'ancien régime. Tout à le, fait. Le, 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 les nouveaux, c'est autre chose. On va en parler tout, 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 tout à l'heure. Alors, cette corruption, elle est due, si vous voulez, à des gens qui n'ont pas été, euh, comment, qui, qui ne sont pas passés devant la justice d'une manière claire et nette, et que moi, je dirais même, ce que dit Abdallah c'est vrai, qu'il y a l'état profond à al mika mais c'est qui cette dollar américaine Si les Tunisiens arrivent un jour à résoudre ce problème de l'état profond qui s'était derrière, pour ne pas dire des mafieux bon, derrière qui s'organisent... Mais ce n'est pas là une peur. des questions importantes, M. Bousseline, et à savoir oui. que euh, l'ancien régime est une véritable hydre à plusieurs têtes. Bien une sûr. des têtes, c'est <coughs> Ben Ali et sa clique. Ils oui. sont partis, mais le système est resté. Le système c'est ce qu'on a, ce qu a dit, nous. Le dictateur est parti, mais la dictature reste. Oui. Et comment elle reste Sous plusieurs formes. Parmi la forme la plus dangereuse, c'est la forme mafieuse. Moi, je me mets à la place de l'avocat ou du juge. Quand il veut juger quelqu'un, récupérer l'argent, il reçoit des menaces. C'est la camorra. Ça. Bon, alors vous, pas pas vous nature, avez donc, de, deux donc, défis, M. Donc, le problème... Vous oui. avez deux défis qui sont face à vous aujourd'hui. Oui. Le défi qui est euh, lancé à votre mouvement politique mmh, mmh. pour la Tunisie euh, sur le plan national, mmh. mais mmh. également le défi des représentants des Tunisiens à l'étranger. Ça veut dire que Bien par sûr. rapport aux députés nationaux qui sont mmh. élus en Tunisie, eux, ils ont à se préoccuper de ce qui se passe en Tunisie. En Tunisie voilà. Vous, vous avez à vous préoccuper de ce qui se passe en Tunisie, mmh. mais mmh. vous avez à vous préoccuper de ceux sure. qui vous ont élus. Donc, si, puisqu'on s'adresse mmh. à eux aujourd'hui, mmh. est-ce que vous pouvez me dire... Quel est, euh, on, le, quels sont les points, rapidement, mmh. de ce que vous proposez à ces Tunisiens à l'étranger mmh. Si demain vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour eux Oui, euh, nous, bon, je, je conseille à tous de, 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 de lire notre programme. Hein. Il y a 12 pages, on a essayé d'être euh, 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 conscrit par rapport à ça. Le problème pour nous, c'est d'abord la chancellerie consulaire et administrative qui date depuis maintenant trois générations, rien n'a changé dedans. Au niveau de la transparence, le coût des actes administratifs, où ça va, etc., en plus pour les locaux qui existent en France, les locaux tunisiens. J'étais à Lyon l'autre jour, au centre. Il y avait un grand local, je crois, 2000 mètres, les gars me disent, euh, il ne sert plus à rien, il est fermé. Et qu'il paye 50 000 euros par an. Je dis, mais ce pas possible. Si, ils me disent, ça. Alors, pour quelques cours d'arabe, ça signifie qu'il y a une anarchie totale. Euh, le même, le même, le plus, même problème locaux existe. locaux que l'État possède, tel que en Tunisie <coughs> ou les consulats ou ailleurs. À Paris, <coughs> euh, voilà, on, on, on a fait un manif en, en 2012, voilà. justement, euh, sous, sous le, la neige, pour dire, attention, on a des adresses. Rendez à la Tunisie ce qui appartient à la Tunisie, justement. les personnes monsieur... Au eux, moins, exploitez-les au profit du peuple. Mais nous, on est, on est prêt, on a un programme pour faire des écoles. On y arrivera tout à l'heure. D'accord. Des, des, des écoles. On n'a pas beaucoup de temps. Oui. Euh, Dites-moi vos différents points. Des donc. écoles tunisiennes. Moi, je oui. comprends. De Là, des... la transparence au niveau consulaire et euh, chancellerie. Euh, ch ch chancellerie, par rapport justement au coût. Par rapport à la modernisation, tout le monde utilise Internet pour euh, les actes de naissance, pour tout. Oui. Euh, le normalement, le Tunisien normalement. devrait pouvoir à avoir distance, un acte de naissance à distance. À distance. Euh, sans parler. De, 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 de la transparence des comptes. Où va l'argent que donne le Tunisien pour ces services-là euh, Soyons clairs. Parce qu'on oublie qu'on est quand même plus de 600 000 personnes en France, voilà. qu'on a tous besoin du consulat, qu'on mmh. a tous au moins une fois par an payé un acte, Justement. donc c'est énormément d'argent. Oui, mais pour, le, pour les compatriotes du Sud, par exemple, il y a un autre problème. Ils leur mettent le consulat à 10 km de Tunisère. À 3 km du Ctn, il y a une demande de regrouper, puisqu'on a les locaux tout ça, de regrouper tous les services pour faciliter justement euh, la vie de ces gens-là. Bref, un guichet unique, un guichet unique qui, 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 qui ferait tout. Quoi. Bon, il y a d'autres points, mais, mais laissez-moi vous parler de d'abord de l'éducation, de l'économie. Allez-y, allez parce que vous n'avez pas une heure. Vos, <laughs> vos enfants, comme les miens, ont souffert et souffrent toujours. Du manque, pas seulement la langue arabe, il, il la parle, hein, tuniso, arabe, etc. Mais, 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 mais au niveau de l'histoire, au niveau du patrimoine, au niveau de Tarbi al hein, que nous, on avait, bon, quand euh, au lycée, des fois, il vous demande, mais qui c'est Fahal Mais euh, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Nénénénien. Alors vous voulez rétablir les ponts avec l'histoire de... L de... Mais, mais on ne peut pas le rétablir à travers la langue arabe. Il faut une école, si vous voulez tunisienne, ici francophone. Francophone qui applique le programme français. Moi, j'ajouterais seulement la langue arabe, l'histoire, patrimoine du pays, et l'éducation civique. Les autres points du programme. Si Donc, vous plaît. le problème ici, c'est un problème à prendre au sérieux, et, et ça peut être un problème lancé euh, au niveau privé et public. Hein, les, les privés qui ont de l'argent en France peuvent hein, aider, mais aider en, avec un retour, si vous voulez, comme une bourse. Hein. Il tant, la question de la retraite, vous y pensez La retraite des Tunisiens expatriés qui ne sont pas des Français et qui On sont en obligés parle. de rester. Oui. <coughs> On en parle au, au niveau de, 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 de cette. Est-ce que dans votre programme, oui. vous avez le projet de renégocier les accords cadres qui régissent l'immigration mais dans notre le programme, statut des expatriés tunisiens en France oh, et en Europe. Voilà, vous faites bien de le, de le dire. Dans notre programme, on propose un secrétariat d'État qui ne se couperait pas des Oui, états mais on a eu un secrétaire d'État, mais pas non, 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 non. Non, non, non. on n'a pas vu de résultat. Un secrétaire d'État avec oui. un appareil juridique et relationnel avec l'État français, c'est-à-dire qui travaille, si vous voulez, pour le Tunisien à l'étranger. Effectivement, quand il y a des problèmes de santé par, par rapport aux retraités, etc., quand il y a même des plaintes, que ce soit entre Tunisiens, etc. – Les couples pas, mixtes. – Voilà, ce n'est pas à la justice française de rentrer là-dedans. C'est le secrétariat, avec des fon une fonction bien précise, c'est d'intervenir par rapport aux nationaux. – Je précise qu'on ne parle pas des binationaux nationaux, on parle <coughs> des Tunisiens-Tunisiens qui ont des conflits ou autres. – Bien sûr, ou autre. oui, oui voilà. non, mais les binationaux nationaux c'est autre chose, hein. ils autre sont chose. En, en France. – Une question, s'il oui. vous plaît, on a Pardon. bien compris ce que vous voulez Pardon. dire. Oui. Euh, Est-ce que l'exemple du Maroc… Euh, vous inspire et est-ce que vous serez pour qu'il y ait des délégations parlementaires pour aller voir euh, l'expérience marocaine et s'en inspirer euh, Oui, je vous remercie pour cette question parce que moi, je, personnellement, bon, pour le Maroc, moi j'aime le Maroc, j'aime le pays euh, comme tout le monde. Mais je vais vous raconter une anecdote un collègue qui est avec moi à l'université, marié une marocaine, alors tu rentres en Tunisie, tu rentres, en... non, 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 ça y est, j'ai envoyé une, une société au Maroc de location de voitures. Mmh. J'ai dit pourquoi, il m'a dit, tu sais, quand on rentre bon, pour une, une société en Tunisie, il me demande un coffin, <laughs> un coffin de papier, il m'emmerde, qui ça L'administration, etc. Il y a une bureaucratie très lourde. Plus que lourde. Oui. Une, une, une bureaucratie à l'envers, c'est-à-dire elle facilite pour les investisseurs étrangers et elle met des barrières pour les, les investisseurs les nationaux. Oui. Mais, les nationaux qui veulent investir. Nous, on propose même, vous avez une société ici en France, mais vous pouvez avoir... Une délocalisation une Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que l'expérience marocaine, oui. aujourd'hui, envoie les Marocains avoir oui. un réel lobby économique Bien sûr. Mais, mais est-ce que moi, cette expérience euh, n'est pas un exemple à suivre Moi, je, le, je salue cette expérience, je vais vous dire oui. même plus. Moi, j'ai rencontré, c'est-à-dire, vous faites une commande par Internet sur le Maroc, vous avez le lendemain quelqu'un à Paris ou à Nice qui vous téléphone, qui vient vous voir, oui. qu'est-ce qu'on fait ensemble Tout à fait. Au niveau de la com, euh, du marketing... Ils et sont d'une de... efficacité redoutable. Je trouve ça, je trouve ça très bien. Mais est-ce qu'on a la volonté politique de le faire Justement, le député dis? que Nous, vous serez peut-être, est-ce qu'il a la volonté de moi, faire je, bouger les je, choses non, Moi, je défendrais avec Angle, ça. Euh, même, bon, avec... Pas seulement, bon, avec le Maroc, avec l'Algérie aussi, avec le, le, le Maghreb. D'autres points dans votre programme j'aimerais va... que les... Ceux qui nous regardent et qui vont voter, parce que je oui, les invite oui, oui, à voter. Oui, bien sûr. Le but de cette émission, c'est oui. de permettre aux Tunisiens de connaître oui. les élus oui. et de comprendre oui, leurs oui. intentions et leurs projets pour pouvoir voter en connaissance de cause. Non, mais le problème est c'est Le, 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 le Libya, c'est le problème des étudiants tunisiens à l'étranger. Oui. Moi, en tant qu'enseignant à l'université, mais j'en ai, ai, vu des de, 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 de vertes et des pas euh, Il vient, l'étudiant, qui n'a pas un sou, il va s'inscrire en maîtrise ou en doctorat, mais il faut qu'il vive l'argent qu'on lui envoie, même ses parents, ben ça ne suffit pas. Il faut qu'il aille faire la plonge, Et on etc. A fait, etc. Et on l'a fait tous, mais on l'a fait bon, au début, les deux premières années. J'ai oublié que... de dire que vous êtes en France depuis 1975. <laughs> euh, voilà, oui, on l'a voilà. fait au début pour gagner un peu d'argent. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un, un facteur d'échec. Il faire... faut faire attention. Alors, le consulat, nous, on, justement, en parlant de secrétariat d'État, il faut un service spécifique aide aux étudiants, aide aux étudiants, euh, logement, euh, Est-ce que vous vie. comptez vous attaquer à la maison d'Artounes, qui est réservée aux étudiants, mais qui a pendant. L'ancien régime servait plus à servir les proches de la famille qu'à servir les étudiants et qu'à être une maison d'étudiants. Mais vous voulez que je vous dise franchement, il n'y a pas que oui. l'Artun, il y a l'ambassade lui-même. Il oui. faut lire, faut lire oui. le, 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 les textes. Et moi j'ai appris des choses, j'ai dit mais ce n'est pas possible parce qu'on est dans un État. Ceux qui parlent de, 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 de la primauté de l'État surtout, oui. hein, quand je suis au service de l'État, ce n'est pas que je m'en sers de l'État. — Je là, sers l'État. — Voilà. Donc il y, y a des gens. Il y a des gens. Et ça, c'est l'ancien régime. Il est là pour... — Il ce... semble que ça soit pas que l'ancien régime, paraît-il. Oui. Euh, J'ai des <coughs> témoignages que même sous euh, l'ambassade après la Révolution, ça a continué un il peu. — Et se servir. Bah, 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 oui. bah, mais ça, mais, mais c'est aberrant. Moi, je dis que c'est aberrant. C'est-à-dire c'est l'argent de l'État. C'est cette mentalité qu'il faut changer. C'est vrai qu'on peut pas... Changer ça, justement, du jour au lendemain. Comment de travailler raison. sur les mentalités Parce que, justement, c'est un réel problème. Il y a une dégradation alors, alors, absolue oui, des valeurs en Tunisie. Je ne pense pas que vous allez me contredire en vous disant non, ça. Non, oui. La révolution a été comme un catalyseur, comme un tamis qui a sorti ce qui était caché. Voilà. Et malheureusement, oui. on a énormément de choses mauvaises. Comment oui, s'attaquer oui, oui, à, à, à bon, ça S'attaquer à ça, je, je, je le dis en grande partie dans le livre, là, oui. euh, il faut que la jeunesse comprenne que la révolution se fait d'abord en moi-même. Oui. Une révolution mentale. Vamir. il est positif. Après, l'action doit suivre. L'être humain, c'est quoi C'est un mental et c'est une action. al oui. Donc, à partir, de là, à partir de là, on fait un entraînement même pour les jeunes. C'est pour ça que je vous dis, l'éducation en Tunisie, c'est à changer, c'est-à-dire cesse, à, à la base. parce que euh, on n'en a pas le temps, mais je peux vous raconter par rapport à Madrasa SSI, à l'école de base, le, 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 le lycée. Alors, laissez-moi vous dire, parce qu'il complètement... euh, reste à peine cinq minutes, oui. euh, certains disent que le mouvement wafa est un peu extrémiste, de part des déclarations de Raouf Al-Ayadi. Certains accusent le mouvement Wafa d'être, et vous allez un peu sourire, antisémite, vu les positions de défense. Euh, Affirmé euh, de la cause palestinienne par Abdelraouf al Al-Ayadi, euh, l'image à l'extérieur, je ne parle pas de la Tunisie, puisqu'on n'est pas en Tunisie, on est en France. Mmh, mmh, vous vous présentez euh, auprès des mmh, Tunisiens en France. Mmh, mmh, on a le sentiment que Harak et est un mouvement révolutionnaire immature. Que répondez-vous à ça euh, Non, mais il faut être sérieux, je dis. Il faut être sérieux, c'est-à-dire, euh, nous, on est pour une identité réfléchie, une identité pas euh, affective, justement. Euh, on ne nie pas qu'on est musulmans et arabes, mais on est fiers. De l'être. Voilà, fermé. Et pour, non, non, pour défendre le pays, on voit aussi ce qui se passe chez soi. Hein. Euh, moi, j'étais euh, surpris, je, je, on n'a pas le temps, mais quand je suis rentré en 85 en Tunisie, mes étudiants euh, étaient fous. Pourquoi Parce qu'on a bombardé Hammam-Shah. 68 morts. Et jusqu'à aujourd'hui, ces pauvres-là. Aucune réparation. Aucune... Alors, vous savez, qu'est-ce qui était le ministre Non, mais il faut, faut que les téléspectateurs ça. fassent des recherches. Qui était ministre à cette époque-là ah, des affaires étrangères? Dites-moi. Vous allez nous le dire, M. Benikret Sebsi. Que je respecte. Que je respecte. Avant M. Sebsi, il a occupé l'intérieur et la défense. Trois ministères, c'est mieux qu'un président. Mm. Comment se fait-il nos collègues algériens, les renseignements généraux, ont téléphoné à la Tunisie pour dire, une heure à l'avance, il y, y a des avions suspects qui viennent de Palerme ils sont venus de Palerme. Ils, on ils, ils, ils ont dit. Vous connaissez l'histoire. Ce qui vous est vous encore plus condamnable, c'est que même le gouvernement post-révolutionnaire n'a jamais demandé réparation à l'entité sioniste. Donc on n'est pas contre les Juifs. C'est ça qu'il faut enlever de la tête des Tunisiens. Moi j'ai des amis que j'aime, de, de, des amis qui étaient avec moi à l'école à Tunis. Il faut arrêter de, de nous confondre, nous d'amalgamer. Mais le sionisme ouais. international qui veut vraiment mettre la main sur tout, attention, on est nationaliste, d'accord, mais basta. Le mouvement enfin n'est pas un mouvement pour l'extrémisme, quel que soit. D'ailleurs, on discute avec tout le monde, mais on est pour la justice. Quelqu'un qui est extrémiste, il faut que la, la justice, le juge, c'est pas Monsieur, monsieur X. Il... Euh, M. il reste à quelques oui. minutes. Je voudrais savoir euh, si vous avez un message, vous voulez vous adresser, parce que c'est aussi le rôle de cette émission à vos électeurs, qu'est-ce que vous voulez leur dire La parole est à vous. Je dis aux électeurs de France Sud surtout votez le numéro 17 et faites attention, notre pays, il est dans un virage extrêmement dangereux. Réfléchissez, regardez dans le rétroviseur pour voir les 23 ans de dictature et de paroles confisquées de force. Donc, votez dans votre âme et conscience. Je ne vous dis pas de voter pour notre programme. Bon, je ne fais pas comme tout le monde. Mais nous, on a des choses pratiques. Pratique. La politique, c'est de la pratique. C'est pas du blablabla. Bla bla. euh, je ne suis pas là, justement, pour que vous m'aimiez. Aimez le programme. Deux, ou faire. Et va faire, et vous promet, hein, si on arrive, justement, à l'Assemblée, euh, on vous donnera des comptes pas annuel, mais trimestriel, on vous dira voilà ce qu'on a proposé, et voilà ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc... – Une question, M. Boussely, mais si oui. vous êtes élu, et je vous le souhaite, comme à tous les candidats, mmh. euh, est-ce que vous aurez une permanence euh, dans le Sud, et est-ce que vous viendrez de temps en temps de l'Assemblée pour consacrer un peu de temps à vos électeurs, ou bien est-ce que pendant cinq ans, on ne va pas vous voir, euh, comment vous allez gérer cette période, de, de, si vous êtes élu ah oui, non, 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 mais, 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 mais personnellement, je ne peux pas me, 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 me délier de la France en général et des conditions de vie que, que moi a vécues, que mes compatriotes. Euh, on se fixera d'ailleurs, euh, il semble. Hein, je ne rentre pas Non, parce dans que vous avez compte. dit, on, et, et, nous vous rendrons des comptes, donc tous vous les viendrez mois, rencontrer voilà. les. Oui, non, 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 mais y a une, y a apparemment, il y a une subvention. – Parce que malheureusement, il y a eu une déception énorme, oui, monsieur oui, Bousselini. Je comprends. Les non, élus, oui. euh, que ce soit de NAHDA, euh, de CPR, de tous les partis dans oui. cette première assemblée constituante. Personne n'a maintenu le contact avec les électeurs. Oui, ils ont tort, parce qu'ils ont une subvention pour venir, pour, pour venir, de Tunisie, qui est plus grande que apparemment. Hein, il faut que oui, je vérifie oui. ça. Plus grande que la subvention des Tunisiens sur des, 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 des élus sur Lecaux, la Tunisie, oui. locaux. Donc moi, aucun problème. Aucun problème. Je viendrai. Vous maintiendrez le contact avec les électeurs. Mais on aura un bureau. D'accord. C'est ça, une a, permanence. Une permanence où on viendra je dis pas tous les mois parce qu'il faut être sur le terrain mais mais mais, mais minimum moi ce que je le SMIC, c'est une fois par trimestre, c'est-à-dire tous les trois mois, aller rester deux, trois jours, voir les problématiques, discuter, être à l'écoute de vos électeurs. À, à l'écoute. Mais, mais d'ailleurs, ce, ce programme, on l'a fait depuis 2012. On n'a fait que, comment on enquêtes sociologiques sur le terrain, en parlant avec, avec, avec les hommes d'affaires, avec les étudiants, avec, avec tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, euh, même, même au niveau est de, que, rapidement, est-ce que, que vous avez une solution aux Tunisiens sans papiers? Ils sont plus de 25 000. Bah, voilà. Est-ce que Harakat a mmh. quelque chose de clair là-dessus ou à discuter avec les autorités françaises pour trouver une Bien solution Bien sûr, mais, mais c'est dans notre programme, c'est-à-dire la chancellerie et justement le gouvernement à venir doivent rentrer en contact et régulariser, en contact avec les Français, avec l'État français, et régulariser les gens qui ont beaucoup d'années ici. Il y en a qui ont 5 et même voire 10 ans, ils ne sont pas régularisés. Okay. Mais il y a eu la vague post-révolutionnaire où il y a eu 25 000 dizaines voilà. de l'impôt et ils sont très tristement célèbres. Oui, euh, Est-ce euh, que euh, vous non, non. vous serez aux, aux premières non. lignes Vous êtes concerné ah, mais, mais, mais bien sûr, je vous dis. Moi, bon, je ne vais pas vous lire qu'on a. Tout à fait. Euh, mais vous avez mais prévu euh, on, on, on a prévu de discuter avec le gouvernement français de dire voilà c'est gens Chercher des solutions. Euh, ceux qui ont des papiers, ou ceux qui ont du travail au moins, même s'ils sont venus en 2011, ben. Bah, ces gens-là, il faut les régulariser. – Oui, mais la France va vous répondre que ça va faire un appel d'air pour dire, chaque fois qu'il y a une vague de sans-papiers, on trouvera une solution. – Oui, mais à la limite, non, mais ça, c'est Schengen, c'est l'Europe, c'est-à-dire, il faut mettre à des garde-fous, je ne vais pas faire… – Vous êtes d'accord, donc, pour ces garde-fous, pour non, mais que la Tunisie, pourvoyeur d'immigration puisse également contrôler les frontières ?– Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr, là-dessus, là il ne faut pas mélanger les deux, hein, parce que, bon… Euh moi, quand j'ai des, 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 des étudiants français qui sont au chômage, etc., et qui sont. Rapidement, en un mot, vous, êtes, euh, vous vivez euh, entre la France et la Tunisie, plus en France qu'en Tunisie, oui. donc vous êtes au fait de ce qu'est ce qu l'expatriation. Est-ce que euh, vous allez maintenir, euh, en tant que député de la nation, si vous êtes élu, les relations euh, franco-tunisiennes à leur niveau, ou est-ce que vous allez les renforcer, ou est-ce que vous allez essayer d'équilibrer en ouvrant à d'autres pays, d'autres... Euh, Coopération internationale. Non, mais la relation, excusez-moi, franco-tunisienne, il y a beaucoup qui n'ont pas compris hein, la relation. Ils disent c'est l'amour, c'est les mariages mixtes, tout ça. Moi je dis, la France est un pays privilégié par rapport à la Tunisie. Un petit Ce n'est pas un pays qui a des intérêts. Il a des masala. privilèges. Ouais. 200 pays ont des massal, des intérêts. Au niveau de la Tunisie, la France, c'est des privilèges. Privilèges de la langue. Ce qui fait que nous, actuellement, privilèges économiques. Or, si les Français ne sont pas conscients de ce privilège à travailler et à maintenir, bah, je dis, euh, les Tunisiens sont obligés d'aller chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Donc vous, vous allez Allemagne, essayer de faire comprendre aux Français l'intérêt ont... qu'ils ont à maintenir leur privilège. Plus qu'un intérêt. Plus, un privilège, c'est que 70%... Euh, D'ailleurs, on n'a pas le temps, mais je vais vous, vous montrer un, comment, un, un email qu'on a reçu euh, dans le Sud. Certains, même dans le mental des Tunisiens en Tunisie, ils croient que la Tunisie est encore un département français. J'ai dit, attends, attends, attends. <laughs> Entre un excès Bien et un autre, il faut travailler à société, voilà. une solution Donc, de juste milieu. Monsieur Abdelbousslimi, l'émission est, 50, Bouslimi, 50. est Donc, terminée. Je suis désolé, il <laughs> y a énormément de choses à dire avec vous, oui. mais c'est ça euh, une émission oui. euh, sur le web. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Mesdames et messieurs, merci euh, de votre écoute et de votre intérêt. Mon invité, ouais. c'est Bouslimi. Bon vent et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Euh, merci. Et au au nous TV. aurons, oh. nous aurons très certainement le plaisir de vous recevoir dans un débat contradictoire avec d'autres candidats. Euh, mmh. Au cours de cette campagne. Merci et Merci. à une prochaine fois. Merci beaucoup.